Le filtre passe-bande est le dernier filtre que nous allons étudier ici. Il est composé d'un circuit RLC série, on prend la tension aux bornes de la résistance. Toujours grâce au diviseur de tension, on établit la fonction de transfert. On obtient S souligné de T égale R sur R plus JL oméga plus 1 sur JC oméga E de T. On réorganise, on obtient 1 sur 1 plus JL sur R oméga plus 1 sur JRC oméga, facteur de E. On obtient donc la fonction de transfert égale à H souligné de J oméga égale 1 sur 1 plus J facteur de L oméga sur R moins 1 sur RC oméga. On va alors établir la forme canonique de la fonction de transfert. Outre la fonction statique, on fait apparaître la pulsation propre du circuit ainsi que le facteur de qualité Q qui vient souvent caractériser les systèmes oscillants. Alors si on pose oméga 0 égale 1 sur racine de LC, la pulsation propre, et Q est égal à 1 sur R racine de L sur C, on peut voir que L sur R va être égal à Q sur oméga 0, et 1 sur RC qui va être égal à Q fois oméga 0. Ainsi, la fonction de transfert s'écrit H souligné de Jx est égal à H0 sur 1 plus Jq facteur de x moins 1 sur x. L'expression du gain s'obtient à partir du module de la fonction de transfert. On a GdB égale 20 logarithme de H0 sur racine carrée de 1 plus Q carré facteur de x moins 1 sur x au carré. On peut étudier rapidement les caractéristiques de cette fonction. Elle est maximale pour x moins 1 sur x au carré égale à 0, ce qui correspond à x égale 1, soit oméga égale oméga 0 et GdB max égale à 0. D'après les limites connues de la fonction logarithme, on obtient quand x tend vers 0, le gain en décibels qui tend vers moins l'infini, et quand x tend vers l'infini, le gain en décibels tend également vers moins l'infini. Étudions également les asymptotes. Si x est très petit devant 1, la fonction GdB tend vers 20 log de x plus 20 log de h0 sur q, donc une constante. On a une asymptote à plus 20 dB par décade. Si x est très grand devant 1, alors GdB tend vers moins 20 log de x plus 20 log de h0 sur q, toujours une constante, et on a une asymptote à moins 20 dB par décade. On obtient le diagramme de Bode suivant. On fait apparaître la courbe de gain pour différentes valeurs de facteurs de qualité. La notion de bande passante prend tout son sens avec un filtre passe-bande. Pour trouver celle-ci, on doit déterminer les fréquences de coupure du filtre. On cherche donc les pulsations telles que h de j oméga 1 égale h de j oméga 2 égale h max sur racine de 2. Ce qui donne h max sur racine de 2 qui est égal à h0 sur racine de 1 plus q carré facteur de x moins 1 sur x au carré. On a donc le dénominateur qui doit être égal à 2. 1 plus q carré facteur de x moins 1 sur x au carré qui est égal à 2, soit x moins 1 sur x au carré égale à 1 sur q carré, et donc on a x moins 1 sur x plus 1 sur q facteur de x moins 1 sur x moins 1 sur q est égal à 0. On doit résoudre deux équations du second degré. On va résoudre donc la première équation, x moins 1 sur x plus 1 sur q égale à 0, qui donne une équation du second degré du type x2 plus x sur q moins 1 égale à 0. On cherche le discriminant de l'équation, on obtient un delta qui est positif, ce qui nous donne deux valeurs réelles pour x. Seulement, il s'agit de pulsations, même si elle est réduite, donc il faut garder la valeur positive. x1 sera égal à moins 1 sur 2q plus racine de 1 plus 1 sur 4q carré. Si on résout la deuxième équation du second degré, on obtient une pulsation x2 égale à plus 1 sur 2q plus racine de 1 plus 1 sur 4q carré. Finalement, les pulsations de coupure et la bande passante dépendent du facteur de qualité. Voici les deux expressions des pulsations de coupure. Et la bande passante qui vaut delta oméga égale oméga 2 moins oméga 1 égale oméga 0 sur q. On va pouvoir visualiser cette bande passante et sa dépendance par rapport au facteur de qualité sur le diagramme de Bode. On voit que plus le facteur de qualité est grand, plus la bande passante est petite et plus le filtre est sélectif. On peut maintenant s'intéresser au déphasage qu'introduit ce filtre. On a donc phi qui est égal à l'argument de la fonction de transfert complexe, donc l'argument de H0 sur 1 plus JQ facteur de x moins 1 sur x. C'est égal à moins argument de 1 plus JQ facteur de x moins 1 sur x. Étudions les limites.
Si x tend vers 0, alors la fonction de transfert complexe tend vers j sur q fois x. On a h qui est un imaginaire pur, positif, et le déphasage tend vers pi sur 2. Si x tend vers l'infini, h de jx tend vers moins j sur qx, et h est un imaginaire pur, négatif. On a phi qui vaut moins pi sur 2. Enfin, si x égale 1, la fonction de transfert complexe tend vers 1, et donc le déphasage tend vers 0. Étudions maintenant la tangente et le cosinus. On a tangente de moins phi qui est égale à q facteur de x moins 1 sur x, et le cosinus de moins phi qui est égal à cosinus phi, qui vaut 1 sur racine carrée. Ainsi, le cosinus est positif, et nous allons pouvoir directement prendre l'arc tangente. On a finalement phi x égale moins arc tangente de q facteur de x moins 1 sur x. On obtient donc le diagramme de Bode en phase suivant, avec un déphasage qui évolue différemment selon le facteur de qualité du filtre. Le filtre passe-bande, comme les autres filtres, peuvent servir pour le traitement de fichiers sonores. En modifiant la bande passante ou rejetée, en modifiant la fréquence centrale du filtre, on peut transformer le rendu audio d'un morceau de musique jusqu'à la sonorité recherchée. Voici un exemple de traitement de fichiers sonores. Chasing, I'm chasing.